Good morning, 47. Your target is Vicente Murillo, a fascist militia leader thought to have disappeared. A prominent figure in the 1980s war against communism, we have intel that he has returned to continue his old mission of creating a new world order in South America, starting in Colombia. Intel provided by our client tells us that he is a narcissist, a pathological liar, and very paranoid, with a drinking habit. If he is to fulfill his dream of starting a fascist uprising, he could let the world know that our client has supported him back in the 80s. Our client needs their past mistakes resolved. Times have changed. So good luck, 47. Et salut tout le monde, c'est Immortal et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le révolutionnaire, deuxième année, Vicente Murillo. Donc, en Colombie, à Santa Fortuna. Donc, réactivation de cible. Donc, pour ceux qui l'ont déjà fait plusieurs fois, vous êtes déjà au courant qu'il y a trois endroits différents où il peut se trouver. Et c'est aléatoire. Donc, je vais vous montrer les trois endroits avant de commencer à m'occuper de la cible. Voilà. Alors moi, en général, j'aime bien commencer ici au bar du village afin de récupérer trois pièces de monnaie. Voilà. Alors, sachez que quand vous êtes dans ce coin-là, petite parenthèse, il y a un mafieux qui peut vous repérer si vous êtes habillé, je veux dire, comme ça. Voilà, cette tenue militaire avec une casquette. Donc voilà, certains peuvent vous repérer, mais d'autres non. Donc, le premier endroit, en tout cas l'un des endroits où on peut l'apercevoir est donc ici, voilà, à l'étage, dans ce bâtiment, dans cet appartement, avec un garde donc vers la balustrade, un autre qui peut tourner le dos par moment, voilà. Donc, voilà, après, au niveau stratégie, il vous faudra bien sûr neutraliser celui qui est vers la rambarde, le cacher rapidement et donc d'empoisonner son verre de vin sur la table. Là, ici, cette cabane sur le côté, cette cabane est donc le deuxième endroit où on peut voir la cible. Donc c'est encore une fois, c'est aléatoire. Donc là, ici, vous avez un conteneur. Vous avez un conteneur et donc, moi, je vous suggère bien sûr d'en neutraliser un rapidement. Alors toujours faire attention à deux gardes qui sont autour, hein, évidemment. Voilà. Donc, et puis donc, bah, vous prenez le déguisement du gars qui arrive. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième endroit dans cette cabane-là. Je veux dire, c'est une vraie cage à lapins. Hein. Donc après, ils sont quand même ils sont au moins 3 ou 4, comprenant le révolutionnaire. Donc après, voilà quoi. Donc c'est quand même pas simple. Là, ici, vous avez donc au-dessus de l'escalier. Donc, faire attention aux gardes hein, qui passent sur la passerelle à côté. Donc, vous avez les caméras de sécurité. Donc, faire très bien attention. Alors, les caméras de sécurité, après, moi j'aime bien le faire, mais il n'y a pas trop de caméras dans ce coin-là. Donc, à la rigueur, on n'est pas vraiment embêté. Donc après, le truc à faire, sinon, avant de s'occuper de la cible, si vous voulez l'éliminer par poison, il faut donc crocheter donc la serrure de l'infirmerie et vous aurez donc le poison juste devant vous sur la table. Voilà. Donc ça, c'est pas être. Beaucoup de gens connaissent l'endroit où se trouve le poison. Là, bah, de toute façon, le poison, on le trouve à plusieurs endroits. Mais bon, ici, c'est quand même assez simple de le récupérer. Et donc là, enfin, c'est donc le troisième endroit, voilà, où vous aurez la cible. C'est justement là où il se trouve et là où on va le tuer, là où on va l'éliminer. Donc je fais un petit tour de la cabane. Donc c'est un endroit qui se trouve près des quais ou près du petit port. Hein. Voilà, vous appelez ça comme vous voulez. Et donc... donc voilà, vers l'arrière c'est un peu compliqué parce que bon bah sur les côtés il y a les commerçants qui peuvent vous voir, il y a des gardes, c'est assez bien gardé. Donc il y a un truc qu'il faut faire aussi, du coup, c'est que vous allez être obligé
enfin, moi pour moi, hein, de crocheter la porte qui est juste là. Mais pour ça, il va falloir faire attention à certains PNJ, comme la fille, la brune qui passe ici. Hein, voilà. Vous aurez un autre gars aussi qui fait des allers-retours en regardant les affiches là, ici. Et le garde qui se trouve là-bas au bout fait des rondes. Voilà. On croit qu'il bouge jamais, mais en fait, il fait des rondes. Donc du coup, dès que vous avez l'opportunité, et c'est bientôt d'ailleurs, dès que vous avez l'opportunité de crocheter la porte sans vous faire voir, il faut absolument le faire. Sachant que lui, le garde qui est juste à côté à l'angle, ne vous verra pas crocheter parce qu'il y a un pan de mur. Qui est très pratique. Voilà. Là, maintenant qu'ils sont sortis, bah, vous rentrez après avoir crocheté la serrure et vous remarquez donc le poison sur la table. Pareil, faut pas avoir peur. Grâce à l'angle du mur, le gars ne vous verra pas mettre le poison dans le verre. Donc ça, c'est très très pratique. Voilà, donc là maintenant, bah, il n'y a plus qu'à sortir. Et c'est terminé. Voilà. Alors après, il se trouve qu'il était dans cet endroit-là. Voilà. Maintenant, c'est à peu près la même chose pour les deux autres endroits que je vous ai montrés tout à l'heure sur la carte, que ce soit dans l'appartement au premier étage ou la cabane qui était de l'autre côté. C'est disons qu'il faudra faire un peu trouver d'autres stratégies. Faudra trouver d'autres stratégies pour s'occuper de lui. Voilà. Elles sont différentes. Voilà, on peut l'empoisonner, mais on peut l'empoisonner il me semble dans pratiquement tous les endroits. Enfin ça par contre, je suis pas totalement sûr. Mais voilà. Je sais que par exemple, moi une fois, il y a un truc que j'ai essayé là avec cette cabane qui est juste derrière moi. J'ai réussi à le faire sortir, je sais plus comment. Et je l'ai fait tomber dans une haie qui était à côté, ce qui fait que du coup, ça cachait le corps. Bon, c'était vraiment sympa. Mais bon, voilà, c'est une cible qui est quand même difficile, qui est accessible, si on fait attention. Il suffit d'être organisé, tout simplement, voilà. J'espère que mon tuto vous a bien plu. Je me suis permis de vous montrer les autres endroits où pouvait se trouver la cible parce que, sur le coup, ça me semblait quand même important, même si sans doute beaucoup de gens le savent déjà. Mais pour ceux qui n'ont encore jamais fait la cible, c'est toujours important de le savoir. Voilà. Donc écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Voilà. Et moi, bah, perso, ça m'aide à avancer sur la chaîne. Voilà, merci à tous. Allez, ciao tout le monde.